We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. You're right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. Ok, de retour, je viens de trouver. Ouais, c'est bon, j'ai bien lancé le record, j'ai juste appuyé sur ma touche de lancement de record, que j'ai calibré en fonction d'un jeu, et putain, ça marche pour tous les jeux, merci Skyrim. Je suis vraiment débile, parce que je suis passé 4 fois à côté de ça. Ouais. J'étais tellement focalisé sur le GPS et le château que je me suis aperçu que... Bah, qu'il y avait une porte. Et j'ai pas passé que 2 minutes, hein, attends. Non, un bon quart d'heure. Donc Cassie, où est-ce qu'elle est maintenant? Maintenant que je me suis aperçu que j'étais pas... Cassie? Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais vous êtes qui, vous? Cassie Mendoza. Ah, peut-être là. Porte à ouvrir. Ah ben voilà, salut. C'est toujours un plaisir, agent. 483... 490 Artiste... Artiste Tool. Ouais, prends. Ah ben ouais. Un Douglas Harding 483. Un M9, non. Et un SMG Converted, non. Ouais, ça coûte pas si cher chez elle, mais c'est pas mal, c'est du haut niveau. Ravi de faire du business avec vous. Donc, voyons voir. Non, c'est, un, c'est ici en 483... Ah, si, 483, si, ça se prend. Putain, je vais pas y arriver. Bon, j'ai trouvé Cassie, donc faut... Voilà. J'étais un peu con. C'est de ma faute, comme d'habitude. Donc, Douglas Harding. En 483. Et ensuite, on va remplacer ce truc. Ah, mais non, je peux pas le remplacer, je suis très con. Je vais être obligé de remplacer lui. Par l'artiste Toul. Oui, il est joli en plus. D'ailleurs, on va juste échanger les places. Il est où? Il est là, voilà. Je refais celui-ci. Précision, stabilité, précision, portée des critiques, ce sera plus intéressant. Augmentons les munitions. Augmentons la proba des crits. Et augmentons la stabilité. Et pour, non, juste portée optimale, c'est pas des masses intéressantes. Et ben là on est pas mal, on commence à être assez bien équipé. Ah ben je peux, en plus je peux équiper le sien. Ça c'est cool ça. Stabilité, précision, portée des crits. Non, je pense que je vais le jouer en x8. Ensuite, 7% de dégâts des headshots. Et là on va se mettre en stabilité. Ou en précision, ouais en précision sera mieux. Éclaboussure pour Artiste Tool. Débloquer cette apparence pour toutes les armes en l'obtenant dans une cage de vêtements. D'accord. Ah, c'est cool ça. Et d'ailleurs, je peux enlever le viseur du MP5 qui est dégueulasse. C'est bug de temps en temps quand vous passez d'une arme à l'autre, c'est n'importe quoi. Donc, moi je lui vends des trucs et je vous dis à tout de suite. Enfin, à bientôt les gens. C'était Revanzmille. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de The Division 2 de fail de recherche surtout. Allez, bye.
Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmin et bienvenue sur The Division 2. Ça marche? Ça marche cette fois? Premier essai de record, il est un peu foiré, je voulais commencer de cette manière là. Je lance le jeu. Je lance OBS. Je lance le record. Le record ne se lance pas. Uplay plante, donc The Division plante. Ça, ça marche. Donc The Division 2, j'ai un petit peu changé, hein, depuis le stuff. Je suis 497. Mais j'ai du stuff de merde, hein, vraiment. Je peux pas avoir du pire stuff que ça. Je me suis mis sur le plus haut niveau sans utiliser le meilleur stuff. Parce que meilleur stuff, hein, j'ai déjà liberté contre le first wave. La première vague, la China Industries 496. Petrov Défense. Gilaguard. Skolkov. Je peux pas faire pire. Là, clairement, j'ai deux China. sincèrement, question stuff, je peux pas faire pire. Mais... de toute façon, je suis un soldat de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très bien. C'est très très bien. Mais on a quand même un objectif dans cette vidéo. Eh ben, on va aller au musée de l'air et de l'espace, vu que je suis 4... Ah non, 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 si, si, 497. Ouais, si, allez. Si, allez, allez, allez. C'est pas 500, mais bon, ça passera, c'est qu'une arme... Je pense pas que ce soit une arme exotique, parce que j'ai revu une vidéo où ils ont sorti que des armes jaunes. On va bien voir ce que ça donne. Oui, je commence par ça, alors que j'aurais dû le faire en hors-série. Mais non, je le fais dans une série classique. Ou alors c'est un hors-série pour présentation de nouvelles quêtes. Je sais pas, je verrai encore. Je verrai, sachant qu'en hors-série, il y aura déjà eu le... Ah, il fait un temps de merde, putain, je dois être normand. C'est la Normandie, le retour. Non, oui, si, c'est ça. Oh, le suspense. Oh, le suspense. Que vais-je avoir dans ce coffre? Des 8 carnivores. Un F2000. Un F2000. Putain, la déception est totale. Un vieux F2000. Bon, au moins j'ai une arme qui vaut le coup. Un vieux F2000 dégueulasse. Mesure pour la moitié supérieure du chargeur. La cadence de tir est améliorée de 15%. 15% du maniement des armes. Putain, c'est dégueulasse. Mais il est nul. Il est joli en blanc. Faut dire ce qu'il est. Il est joli. Mais c'est tout. Donc on va lui mettre une portée des crits. On va lui mettre de la stabilité. Putain, mais déjà le F2000, je ne l'aime pas. Alors là, j'ai pas envie de l'utiliser, mais bon, après, j'ai qu'un RK-47. Donc, à vrai dire que c'est un peu la merde, quoi. Voilà. Bon, je suis pas de tri dans le stuff. C'est... Ah, si, j'ai eu un truc intéressant. Si. Voilà, ok, très utile. Et donc, celui-là, normalement, je devrais pouvoir le passer en... Non, pas matcap, pas une ivoire. Mais je l'avais déjà. Bah, ivoire. Ah ouais, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. L'univoire, je l'avais déjà. Quoi, je sais pas si on le voit derrière mon sac, mais j'ai une... Merde, il est où le truc? Normalement j'avais un porte-clés, bon bah il a pas marché, c'est porte-clés, nope. Par contre les armes blanches elles sont jolies comme ça. D'ailleurs on va changer de style, parce que avec les armes blanches, ouais bah fashion victim avant tout hein. Ah bah tiens, fashion victim, tant qu'on y est. Eh ben on a combien de cash? 4 cash. Allez, une. Du bleu ça va être mieux. Des chaussures. Oh les bottes, oh non elles sont moches, oh les bottes des hyènes elles sont dégueulasses. La fashion victim. Ça m'a profité pour voir comment tu joues. Un émote, ah trop bien. Paillettes de fête? Non, t'es sérieux? D'ailleurs, les modes disco, j'ai remarqué qu'en PVP tout le monde l'avait. Du bleu. Couleur d'arme. Oh, joli. Oh, le Daredevil. Oh, il est sympa le Daredevil. Ouais, accepté. Oh, j'aime bien le Daredevil. Du bleu. Dommage, j'ai pas eu de légendaire. Ah, je suis déçu. Une peinture, rien. Pas fanat du marigot. Non, il me reste plus. Il me reste 339. Donc. Ah oui, merde. C'est fabriquer clé. J'en veux une. Fabriquer. Ensuite, fabriquer. J'ai passé? Ah oui, non, 250. Et on ouvre une dernière cache. Histoire de bien commencer la vidéo. Oh, l'Aurelio est sympa, mais je l'ai semblant. Ah, il y a des couleurs sympas sur les armes. J'aime beaucoup les couleurs des armes.
Oui, bonjour madame. Non mais rentrez dedans, vous faites pitié dehors. Non mais tu fais pitié. Ah, tu salues? Tu m'as salué, je peux te saluer? Bonjour. Et d'ailleurs, attendez, avant de partir... Ah oui, je sais, je m'éparpille. Bah, c'est The Division 2. Qui ne s'éparpille pas dans The Division 2? Celui qui ne s'éparpille pas n'est pas normal, c'est un jeu où tu t'éparpilles. Alors, on va remplacer ça par le... Par les jumelles. Les jumelles me plaisent pas. Non mais, on jette vraiment des paillettes. Ces émotes sont très cons. C'est de pire en pire. En plus, avec la moustache, c'est parfait. Avec le masque de psychopathe, ça doit être magique. Faudrait que j'essaye. Okay. Téléportation. Téléportation magique à la planque. Ouais, je sais après que j'aurais pas dû ouvrir le fusil en étant 497. Mais c'était plus intéressant de l'ouvrir maintenant, vu que j'ai pas de stuff, que de l'ouvrir en 500, sachant qu'en 500, je vais faire en sorte d'avoir du verre pour le stuff et de l'exotique, sinon c'est pas rentable. C'est pour ça aussi que je fais cette mission maintenant. Parce que normalement le stuff s'accorde avec notre e-level. Si c'est bien comme ça que ça se dit. Et voilà, c'est pour ça. Bonjour, je vais pas y arriver. C'est tout simplement pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Qu'est-ce qui se passe dehors? Bonjour, c'est la guerre? Est-ce que c'est la guerre? Quoi, c'est la guerre par ici? Qu'est-ce qui se passe? On n'y voit rien avec cette pluie. Par contre, ça c'est génial. Quand vous passez à côté d'un véhicule ou d'un truc, vous entendez la pluie sur le véhicule. Je trouve ça juste excellent. Exécution publique? Oh, mais faut que j'arrête d'être gentil, moi. Putain, la cadence de tir au début de cette arme, c'est n'importe quoi. Finalement, ce F2000 est pas si mal que ça, même si il est 498. Oh, ouais, pas l'idée, 498, déjà, c'est supérieur à tout ce que j'avais jusqu'à présent. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Par contre, sur la fin, il est juste un phare. Je sais pas sur quoi je tire, mais je tire. Dieu légendaire! Ben, j'ai avoir du vrai niveau. Y'a rien dans mon viseur. On n'a pas peur de vous! Mais il est sympa, ce F2000 est très sympa. T'es bon? Ah non, il y en a encore, je savais bien qu'il y en avait encore. Voilà. Allez, bonne chance. Holster rapide alors, Artemis. Et quel niveau? Quel niveau? 497. Oh non, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Allez, hop, hop, voilà. Bon, allez, souhaite-moi bonne chance, Morissette. Moi, je me casse. J'aimerais bien monter au moins 498/499 pour cette vidéo, ce serait bien. Parce qu'après, ouais, en e-level, j'ai des trucs qui commencent à être pas mal. Hein. J'ai eu 499. Je remercie le mec qui m'a stuffé, mais bien. Tout à l'heure, je suis parti en chasse dans la DZ. En chasse au stuff. J'étais 490. Je galérais à monter au-dessus du 492. J'ai croisé 4 mecs. On est parti en groupe, on est parti en mission. J'en ai aidé un. On est parti, on s'est séparé à un moment. Ok, vas-y, Mani. Je t'écoute pas. Donc j'en ai aidé un 2-3 fois et bah il me l'a bien rendu, il m'a donné full stuff 498. Ah c'est un sniper, c'est pour ça que j'arrive pas à lui faire exploser son drone à la con. Ouais. Ça va être compliqué cette mission, je vous préviens. Oh putain, ouais ils font mal.
Oui, je suis une chip, ça aussi. Vu que j'ai pas ni mon MK17 fétiche, ni une bonne arme, à part celui-là. Oh, un joli moteur. Un joli morceau d'aile sympa, là. Oui, je peux miser le derrière de l'espace, alors je m'amuse. La meilleure arme que j'ai, c'est ce... c'est Ratata. Ah non. La malédiction du alt-tab sévit toujours. Putain, en plus je sais pas viser, donc c'est pour dire si c'est bien parti. Au revoir monsieur. Madame, pardon. Range de drone. Le drone est pour moi un des plus fumés. Parce qu'il vous suit tout simplement. C'est une des armes, enfin, ou un des atouts les plus pratiques du jeu parce qu'il va vous suivre en permanence. Et ça le rend fumé. Parce que les autres sont bien, la mine est bien, mais lui il vous soignera plus déjà. Enfin, pas plus. Il vous soignera de manière plus régulière. La mine, il faut que vous soyez arrêté et proche d'elle pour être soigné. Donc elle est bien, elle est sympa, mais bon, au bout d'un moment, elle est complexe à jouer. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. Quand il faut une compo heal, je prends elle, je prends pas la ruche. La ruche est bien, elle est hyper, elle est fumée la ruche. Mais elle se recharge, elle met trop de temps à se recharger, 3 minutes, 4 minutes, c'est très long. Et en combat, 2 minutes de rechargement, ça fait toute la différence. Il a une bonne petite stabilité ce truc. Oui, bonjour monsieur, par là. Ah, salut, c'est 3PO. Merci, tu m'as fait gagner une balle. Que j'ai pu te donner. Putain, il est vraiment bien ce petit truc. J'aime beaucoup cette petite arme là. Le F2000, je crois que je vais m'en recraft un, mais en 500. Enfin, m'en recraft un, m'en récupérer un en 500. Après, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le G36. Le G36 est l'arme la plus fumée du jeu. Parce que le G36 a une super cadence de tir. Le jeu, il a absolument aucun recul. Et il fait des gros dégâts. Je me concentre aussi sur ce que je fais, hein, dans l'idée, ce serait mieux. Vérifiez tous les terminaux et les ordinateurs portables que vous trouvez. Il nous faut le plus d'infos possible si on veut pouvoir contrer les Black Tusk. Ah si. C'est quoi ça? J'assure tes arrières. Oups. Je suis pas passé du tout au milieu des Black Tusk sans qu'ils me voient. Allez, on neutralise l'ennemi. Merde, il y en a derrière moi par contre, ça c'est craignant. Non, casse ça. Non, le chien. Non, le toutou. Non, le chien, casse ça. Mais tu crois que le mien est mieux, Maurice? Sans déconner. Je suis au milieu du champ de bataille, je suis entouré d'ennemis, et j'arrive quand même à gagner, donc c'est que t'es nul. C'est que tu sers à rien. Windows 10. Plantage système. Contrôle Alt Sup. Redémarrer le PC. Windows a planté. Voulez-vous formater votre disque dur? Non. Merde. J'espère que le scriptage protège des données importantes. Mais c'est la même mission que la dernière fois. Pas passé loin celle-là. Oh, c'est encore un clébard. Oh, légèrement plus dur ce que je vois. Vu.
Ouais, il fait quelques dégâts le F2000 en 498, il est bien. Ouais, prenez-le en 500, c'est pas mal. Parce qu'il est agréable à utiliser, il est pas mal. Après, je sais pas encore ce que vaut le P90 Shatterbox, puisque je ne l'ai pas encore obtenu. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver, j'étais en train de récupérer un petit coffre. Non. Non, meurs. Meurs. Meurs toi aussi, saloperie. Il est joli ton UAV, mais non. Merde. Ils ont coupé le terminal. Oui, bah moi je suis en train de me balader aussi, donc je n'avais même pas fait attention que j'étais encore en train de pirater le machin. Tiens, il est précis le machin. Ouais, ça c'est certain, c'est un DC-3, hein. C'est obligé. Avec ce nez comme ça, c'est obligé que ce soit un Douglas DC-3. C'est un avion américain, si je ne m'abuse, qui a été utilisé d'abord par les militaires et qui a été après reconverti en transport civil. C'est une machine qui est assez rigolote. Et à chaque fois que vous entendez quelqu'un parler d'un DC-3, il va vous dire « Ouais, bah, il y avait le moteur en feu. » Mais l'avion, il vole toujours. À chaque fois que vous allez entendre parler de quelqu'un qui a volé avec un DC-3, « Ouais, il y avait eu le moteur en feu. » C'est une particularité de cet avion. Par contre, le planétarium, il n'y a pas, il est magnifique. Sublime. Ah, vous êtes là-haut, c'est ça. C'est dommage qu'on puisse pas réellement observer. Bon, moi, mon arme fait Star Wars. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. C'est très gentil de ta part. Voilà. Oui, tu touches, oui, merci. Non, mais arrêtez de sortir des drones au-dessus de votre tête, les mecs. Vous savez très bien que ça marche pas avec moi. Les drones qui possèdent des explosifs, pas les sortir au-dessus de sa tête, faut les sortir plus loin. Brûlé. Cadeau. Non, c'est pas une frag. C'est plus rigolo. La cadence de tir quand le chargeur est encore plein est plus... C'est-à-dire, envoie les UAV, hein. Très bien. Continuez. Ils sont complètement cons. Oui. T'as dit quoi, Maurice? À la prochaine, je suis foutu, c'est ça? Crétin. Bon, profite. Profitons. J'adore cette pièce. C'est vraiment classe. On sert des planètes depuis des milliers, mais... Des millénaires, mais nous commençons à peine à découvrir leurs secrets. Oui, bon. En fait, on s'en fout, parce que là, je vais commencer à pioncer, hein, comme d'habitude. Tu me laisses dans un planétarium un quart d'heure, je pionce au bout de 5 minutes. Oui, pas de téléphone ici, c'est logique. Et merde. Il en veut encore, lui ? Déploie les drones ! Fumé ! Il est mort ! Bah, les drones, vous ne pas bouger. Si ? Bien où ? Le prix. Ils sont où ces drones? On y va en avance.
Je vous poserai la même question. Oui, je réponds au piège. Merde. Bougez pas, vous êtes très bien. Bon, ça c'est réglé, allons chercher le stuff maintenant. Parce qu'il pourrait pas spawner quand on est en bas, ce serait quand même plus pratique. Ça nous éviterait d'avoir à redescendre, pour aller rechercher le stuff une fois qu'ils sont morts. Non. Ouais, non, peut-être, je sais pas, bon, tant pis. Barons-nous. C'est quand même con que les c'était les hyènes, je crois. Non, les Troussons. Et péter cette partie-là du planétarium, c'était sympa. Moi, j'adore ces trucs. Vraiment, hein. C'est super sympa. Si vous avez jamais, si vous êtes jamais allé dans un planétarium et qu'un jour vous avez l'occasion, allez-y, c'est rigolo. Super sympa, c'est calme et les effets sont super jolis. Il va vraiment falloir que j'aille en DZ pour passer ça ensemble. Il n'y a pas à chier. Et donc là, vu qu'on a commencé par la. Par un petit secret, on va dire, par les clés d'ivoire. Quand vous allez au nez de la navette, vous obtenez le porte-clés de navette spatiale. C'est toi qui me parlais? Ah non, c'était toi, j'avais même pas vu. Bouge pas, Maurice, très bien. Ça, j'aime moins. Même s'il est loin, j'aime pas. Même si, bon, il a pas eu le temps de tirer encore, donc tout va bien. Je crois que je vais faire un petit demi-tour rapide pour aller chercher du merdier, en fait des balles. Putain, mais il va vraiment falloir que j'aille en DZ pour monter 500, t'es sérieux? Calmez-vous, je reviens, je vais chercher des munitions, j'en ai plus. C'est par où? C'est par où l'Amérique? Par ici, par ici, par ici, par ici. Non, parce que si je dois affronter d'autres ennemis, j'ai deux chargeurs, donc ça me ferait un peu chier, je préfère revenir. Ah, merde. Oh putain, je suis revenu là pour rien, t'es sérieux. Mais j'ai plus de munitions, bref, d'accord, j'ai plus de munitions. Je retiens, je vais prendre plus de munitions la prochaine fois. On voit qu'on est passé en World Tier 5, c'est un peu plus d'or et un peu de munitions. Quand t'as une arme qui balance les munitions à la vitesse de l'éclair, dans l'idée, compliqué. Et après, ce qui n'empêche que ce truc, il est rigolo. Mais putain, j'ai des munitions là, t'es sérieux? Non, mais je suis con, hein, ça change rien. Ok, j'y vais. Alors, je tire sur les cibles. Avec mon stuff, j'évite de me mettre trop en avant, j'évite de trop rusher comme un idiot parce que ça peut très mal se passer. Parce que j'ai absolument aucune résistance. J'ai aucune régène, j'ai rien du tout. En gros, c'est la merde, hein. C'est comme qui dirait la merde. Ouais, j'ai pas voulu fermer 8 heures non plus. Ça m'intéressait pas de fermer encore pendant 12 heures pour avoir du bon stuff en 470, alors que en attendant un peu, je peux avoir du 500. Donc je préfère monter d'abord l'émission, m'attaquer après aux forteresses une fois que j'aurai le stuff 500, mais avec vous. Le médecin, c'est réglé.
Ce fusil est très pratique. Bon, par contre, t'as intérêt à avoir une boîte de munitions à côté, hein, sinon c'est même pas la peine. Voilà. Combien? 191 munitions pour 6 ennemis. Quoi, il est où? Ils ont spawn où? Oh putain, mais du 491. Mais non, c'est nul. Ok, le chien-chien est là. Il est où ce con? Mais il est où? Ouais. Je vais peut-être devoir faire ça. Parce que liberté, il me permet de voir les ennemis. C'est quoi cette phase? Ah, mais... sur l'ennemi. Mais putain, mais ils étaient en haut! Alors que je les ai vus en bas, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bonjour monsieur! C'est des vrais saloperies ces chiens de guerre là-bas! Le truc qui se met même à couvert et tout! Mais pour niquer l'armure, faut viser. Faut pas viser. La tourelle, fait du... ça fait du dégât sur la tourelle. Mais le plus simple pour niquer son armure, c'est de viser le cul du chien, tout simplement. Puisqu'à l'arrière, il a pas de blindage, j'ai remarqué ça. Il y en a un qui passait devant moi, je tirais, il a perdu toute sa vie d'un coup, donc je me suis dit qu'à l'arrière il n'y a pas de blindage. Données corrompues. Merde, on continue à chercher. Ouais, mais c'est exactement la même mission. Ah, mais où tu vas du con? Reviens. Merci. Faut les voir. Black Tusk en noir sur un décor noir, c'est compliqué. Voilà. Je reste concentré et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a un gros drone là que je viens de voir qui me plaît pas des masses. Je le vois là-bas sur le côté. J'ai un agent dans le viseur. Voilà, c'était toi. Il y a peut-être un terminal dedans. Normalement là, il n'y a pas des masses de stuff. Si j'en oublie, c'est pas du gros gros. J'ai pris mon légendaire, oui. Ouais, j'ai pris. On avance. Hop, les babales. La bonne babale. La babale a lancé au chien-chien. Ça s'est distrait. Occupez-vous des derniers ennemis. Ouais. Fouillez les environs. Feu à volonté. Toi, tu dégages. Toi, tu gerces.
Super. Assistance médicale immédiate nécessaire. Mais quel merdier! Entre l'autre Captain Disco là-bas et Maurice Chunky là? Mais quel merdier! Ça y est, une pièce d'armure, je l'ai eu. Ça c'est réglé. J'ai toujours l'impression que les balles viennent de derrière moi. Ce qui est assez perturbant à vrai dire. Allez, tu dégages. Voilà, ça c'est fait. D'abord on récupère le stuff, après on vient. Rangeons le drone. On a un gilet et des marques aléatoires. Un MK17 de police, oui, enfin. Composant H, voy raid. Un composant H, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je regarde juste ce que j'ai eu en bordel. La CR, ça me fait péter une partie du truc. Ah, c'est pas énorme, 497, mais le MK17 est trop fumé. Pour moi, c'est une des meilleures armes du jeu. J'adore le MK17, vraiment. On le prend Aurélien, on le prend quelle couleur? Glacier, j'adore glacier. J'aime beaucoup la couleur glacier, je trouve ça très joli. Daredevil, ça... Ouais, non, ça va être trop... Non, ça me plaît pas. Non, ça non plus. Là, non, mais ça me plaît pas ce soir, ça me plaira plus demain. On peut le mettre en tout blanc. En blanc, il va voir, c'est très bien. Le viseur x8, on va lui mettre... Une probabilité décrite, on va lui augmenter la tête. Voilà, ça. Et on va le rendre plus précis. Et là, on a une arme sympa, même si je perds un. Ouais, je perds un, c'est chiant. Ouais, quand je vais devoir. La CRS, il donne quoi? On va le garder de côté, on va modder la CRS, pareil. Quand je dis pareil, c'est pareil. Oh, quoique, non, on va le mettre coloré. Ça changera. Hein? Je me suis fait niquer. Ah oui. C'est quoi le merdier là? D'accord. C'est pas grave. Accédons au serveur et puis c'est tout. Reformatage annulé. 0,7% de données intactes. Protection corporelle d'Appleton. On verra ce que ça donne. La protection sécurisée. Bien joué. J'espère qu'on trouvera des infos utiles dans les données que vous nous avez envoyées. Le problème, c'est que la première est 450. En DZ, avec la protection normalité, ça peut être ultra fumé, mais là clairement, j'en ai pas l'utilité. Parce qu'on a déjà eu, en faisant la première forteresse, c'est dans les masques à gaz, pardon, le trou patriote est celui-là. Mais 495, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Par contre, les 5 points de survivaliste, ça va m'être utile. Et joli le drone. Non, tu peux passer à travers l'escalier qui est fermé. Là, on se casse d'ici. Non, il y a une flèche, je vais prendre de l'autre côté. Non, je sortirai pas par le bon côté. Je me refuse à sortir par le côté où il y a la flèche. Je peux même re-rentrer par le côté où il y a la flèche, mais là c'est pas intéressant parce qu'il y a rien. Descends. On dirait que les Black Tusk se sont retranchés dans le plaza. Vu ce qu'on sait de cet endroit, ça ne présage rien de bon. J'ai marqué ça sur votre carte. Ouais, il a l'air rigolo. On va le garder un peu. Eh ben en attendant, on a une vidéo qui est pas mal.
Donc en attendant les gens, je vous fais des bisous. Enfin, en durée surtout. Qualité, je serais pas dire, mais en durée, c'est pas mal. Ah bah il est bien, il me plaît. Bon, ok, c'était des cibles faciles, mais il me plaît. Allez les gens, à la prochaine. C'était IRE11000. Et on termine cette vidéo sur un magnifique lancer de paillettes.